titre personnel, comment vous le vivez, ce procès ? Je m'attendais à ça, hein, donc je ne suis pas surpris par rien. Les moments très durs ont été hier, lorsque les pompiers a donné une description des victimes dans le fumoir, notamment des deux frères. Et pour nous, la famille, le moment très fort, ça a été lorsque Amir Rouche a dit ce que l'appel de mon fils le soir du drame, entre minuit 20 et minuit 24, le déroulement de ces 4 minutes. Il a commencé par mon fils qui parlait et il a senti la voix qui diminuait jusqu'au moment où il a entendu que les souffles de mon fils. Et c'était ses derniers souffles. Cet après-midi, vous avez vu trois des rescapés du Cuba Libre. Quelle était votre émotion déjà de les voir et après face à leur témoignage assez poignant ? Depuis le témoignage des pompiers, de toute façon, je pense qu'on a dépassé les limites de ce que des parents peuvent supporter. Toutefois, c'est bien de savoir. Le témoignage des trois rescapés, c'est quelque chose de précis. C'est des choses qu'ils ont vues. On en sait plus. On en sait plus. Parmi les rescapés, il y avait un ami de votre fils, Gauthier Levasseur. Vous le connaissiez. Qu'est-ce que vous avez fait de le voir quand il parle de Zach ? Qu'est-ce que ça vous a... Ça, c'est quand il parle de Zach, évidemment, comme il a dit lui-même, il est tout seul, il se sent seul. Ses amis proches sont plus là. Je pense qu'il a dû... Je crois qu'il doit être très traumatisé par ça. En fin de compte, qu'est-ce que vous attendez de ces 10 jours de procès ? Ce que j'attends, c'est que les deux gérants prennent conscience de leurs erreurs, c'était leur établissement. Et je le redis, ça ne mettra pas à faire mon deuil, puisque le deuil d'un enfant ne se termine jamais. Il s'ouvre, mais ne se termine pas, jusqu'à temps qu'on ferme les yeux. Et je souhaite que ça ne recommence pas, c'est-à-dire que ce soit peut-être un procès, une sanction exemplaire, pour que chacun prenne conscience qu'on ne fait pas n'importe quoi dans ce domaine-là.